savez. Richard Taillet. Voilà, donc bah, simplement. Donc, Richard, vous êtes. On dit vous, ça fait bien. Vous êtes physicien, chercheur au laboratoire de physique théorique de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Mais je crois avant tout un très grand vulgarisateur scientifique, et c'est peut-être pour ça qu'on vous a invité, c'est pour ça d'abord qu'on vous a invité ici ce soir pour cette soirée inaugurale. Donc merci d'avoir répondu favorablement à notre demande, et surtout d'avoir relevé ce défi pour un chercheur de parler de l'émotion de la découverte. Donc... Oui, merci effectivement de m'avoir invité. Bon, voilà. Moi, je vais te tutoyer, en fait. Ça va être simple. Hein. On se connaît. Donc, effectivement, on avait discuté de la possibilité que je vienne ici parler il y a quelques mois déjà. Et quand tu m'avais dit que le thème de la science, en fait, la fête de la science, c'était l'émotion de la découverte, j'ai bondi sur le titre, sans savoir trop ce que j'allais raconter jusqu'à avant-hier, en fait. Et voilà, c'était un beau défi pour moi. Donc, merci pour l'idée et pour l'invitation. Pas encore merci. Donc, le temps que je quitte la scène, je crois que vous pouvez l'applaudir. Hein. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Okay. Alors bonjour tout le monde. Je vais juste présenter un tout petit peu le cadre dans lequel j'ai voulu mettre cette conférence. Donc certes, il s'inscrit dans la fête de la science de cette année. J'ai aussi voulu l'inscrire dans un autre cadre qui est celui des quarts d'heure insolites. Les quarts d'heure insolites, ce sont des conférences que je donne trois fois par an à l'automne. Tous les automnes, j'en donne trois, qui sont des conférences qui sont habituellement données à l'Université Savoie-Mont-Blanc sur le campus du Bourget, du Lac, et qui sont filmées, qui sont ensuite mises sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, vous cherchez sur YouTube le quart d'heure insolite et vous aurez tout un tas de conférences de type de celles que vous allez voir maintenant. L'objectif de départ de ces conférences, il est un peu tordu et ça peut être déstabilisant peut-être. Ce n'est pas tellement de répondre à des questions, mais c'est d'essayer de susciter la curiosité, de vous donner des éléments pour que vous partiez hyper frustré. En fait, c'est ça mon but. Hein. Donc, que les choses soient claires, je veux que vous partiez frustré sur le sujet que je vais aborder. Alors, je vais quand même essayer de vous dire des choses qui vont vous intéresser, j'espère, mais ne vous attendez pas à des réponses définitives. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas vraiment de questions. Bon. Je réalise en regardant ici la diapo que c'est la dernière, en fait. Donc pour la régie, peut-être qu'on va commencer par le début, ça sera un tout petit peu plus simple pour moi. Et pendant qu'effectivement on va passer à la première, je signale que donc, comme je l'ai dit, cette conférence est filmée et c'est une équipe ici qui s'appelle PICUM. Ce sont des étudiants de la formation MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Yes, à chaque fois le I, j'hésite avec Internet. Donc à l'IUT de Chambéry, ce sont des étudiants. Leur activité aujourd'hui fait partie d'un projet. Ils sont dans une agence virtuelle qui répond à des demandes, dont celle que je leur ai faite. Et bien que ce sont des étudiants, ils agissent de façon complètement professionnelle. Bon. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'émotion de la découverte. Et en régie, est-ce qu'on peut passer la première plutôt diapo que la dernière, s'il vous plaît? Merci, super. Du coup, je peux passer. Ah, en fait, j'aurais pu le faire moi-même, en fait, c'est ça. Ok. Si je fais ça, il se passe quoi? Yes, il se passe exactement ce que je veux. Alors, on est ici à la galerie Eureka. Le thème, c'est l'émotion de la découverte. Et évidemment, un des mots qui est associé très fortement à la notion de découverte, c'est le mot Eureka. On a tous entendu ce mot Eureka. C'est associer ce mot à une découverte ou à un événement historique que je pense tout le monde connaît, mais que je vais rappeler tout de même. C'est associé à Archimède qui fait une découverte. Alors je vais parler un tout petit peu après de son émotion peut-être, mais avant je veux juste rappeler ce que découvre Archimède.
Et en particulier parce qu'il y a une erreur dans, si vous regardez sur l'article Wikipédia français sur la découverte d'Archimède, bah c'est faux en fait, ce qui est écrit, c'est pas du tout ça. Donc ce qu'il a découvert au moment où il aurait prononcé Eureka, c'est le fait que quand on plonge un corps dans un liquide, par exemple dans un bain qui serait rempli d'eau, vous plongez un corps dans le bain, bah forcément ça va prendre de la place où il y avait de l'eau, donc il y a de l'eau qui va déborder, et le volume d'eau qui déborde est exactement égal au volume de ce que vous avez mis dedans. Ça paraît tout bête, mais ça fournit un moyen, en théorie en tout cas, pour mesurer le volume d'un objet. Si vous avez un objet qui est un peu compliqué, donc l'histoire raconte que c'était une couronne dont Archimède voulait connaître le volume, parce qu'on se demandait si cette couronne était faite en or ou dans un métal moins noble, et comme on connaissait son poids, ça c'était facile à déterminer, si on pouvait en plus déterminer son volume, on connaîtrait sa masse volumique et donc sa composition. Voilà. Et donc l'histoire raconte qu'Archimède, dans son bain, aurait réalisé que le phénomène dont je viens vous parler, et du coup serait sorti de son bain tout nu, ruisselant, en hurlant « Eureka » dans les rues. Voilà. Bon. Alors c'est pas du tout avéré que ça soit arrivé, mais peu importe. Et ce Eureka est associé, je pense, dans l'inconscient collectif à une émotion positive, genre de la joie, super, Eureka, j'ai trouvé. En fait, on n'en a pas la moindre idée, hein, l'émotion d'Archimède à ce moment-là. Déjà, on ne sait même pas si l'histoire est vraie et on ne sait pas ce qu'a ressenti Archimède à ce moment-là. On ne sait pas, simplement parce qu'il ne l'a pas raconté et que les gens qui ont raconté l'histoire n'en ont pas parlé non plus. Je reviendrai sur ça, c'est un point qui me semble important. J'en parlerai tout à l'heure quand j'aborderai la notion d'empathie. Alors, je vais vous donner quelques pistes de ce que je vais aborder vraiment aujourd'hui. Je voudrais d'abord mentionner que le mot de découverte scientifique, il a des sens assez larges. Ça recouvre plusieurs notions très, très différentes. Et c'est peut-être que si vous n'êtes pas dans le milieu scientifique, c'est peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience. Je vais me demander de qui est l'émotion. Qui est-ce qui a une émotion quand quelqu'un découvre quelque chose? Ce n'est pas aussi immédiat que ça peut le paraître. Je vais vous parler d'analogie. Et je vais enfin terminer par science et culture. Vous verrez pourquoi ça a son intérêt dans une réflexion sur l'émotion de la découverte. Alors, je vais commencer par une citation de David Hume. Déjà parce que, ça pète quand même une citation de David Hume dans une conférence. Mais en plus, effectivement, David Hume, c'est un philosophe anglais que j'apprécie beaucoup. Je lis très peu la philosophie. C'est quelque chose qu'en général, je ne comprends pas. Mais David Hume, c'est quelqu'un qui s'exprime de manière, je trouve, extrêmement claire. Et voilà, il y a un passage de David Hume qui m'a interpellé quand j'ai préparé cette conférence. Ça va être en deux parties. Dans un même texte, il dit ça. « Ce qui est honorable, ce qui est équitable, ce qui est convenable, ce qui est noble, ce qui est généreux, prend possession du cœur et donne la force de l'embrasser et de le défendre. Par ailleurs, ce qui est intelligible, ce qui est évident, ce qui est probable, ce qui est vrai, procure seulement l'assentiment froid de l'entendement. Et, en donnant satisfaction à une curiosité spéculative, met fin à nos recherches. » Et on a l'impression, du coup, dans la deuxième partie de la citation, qu'il associe effectivement la science, on lit plutôt la science dans la première, et puis quelque chose qui serait associé à des choses moins scientifiques dans la première, à mon avis. Donc dans la deuxième, voilà, la science, ça serait quelque chose de froid, parce que c'est logique, et qu'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'émotion dans la logique. Donc c'est ce qu'on aurait peut-être envie d'y lire aussi. Et la partie finale, donc, de dire que quand on comprend quelque chose, ça met fin à nos recherches, c'est quelque chose, je pense que la plupart des chercheurs seraient effectivement en profond désaccord avec ça. On aurait plutôt tendance à penser que trouver, en fait, ouvre de nouvelles portes qui, au contraire, donnent envie de chercher davantage. Alors, cette polarisation, on va dire, entre les deux parties de ce qu'a écrit Hume, je l'ai noté chaud et froid, hein, et effectivement, dans la notion de découverte, même dans la notion de science en général, il y a une notion de chaleur qui est celle que les scientifiques évoquent souvent quand ils parlent de leur métier. Donc quand vous voyez un scientifique parler de son métier, souvent c'est la passion, c'est ouais, c'est trop bien, c'est l'émotion, c'est le rêve, on va découvrir des choses, c'est la joie, le plaisir de découvrir, la joie de découvrir. Ça c'est quand on vous en parle, quand les scientifiques vous parlent de leur métier. Par ailleurs, quand ils publient leur découverte et qu'ils s'adressent à leur père, cette partie-là, elle est très étouffée, elle est même quasiment interdite. J'ai mis ici, ils s'interdisent de mentionner leurs émotions. Et effectivement, si vous allez lire des articles scientifiques, alors il ne s'agit pas ici de lire ça du tout, mais c'est pour vous montrer un petit peu la forme que ça a. Ça, c'est un article de Richard Feynman qui s'appelle « The Theory of Positrons ». Mais peu importe, j'en ai pris un que j'avais sous la main, mais voilà, je le mets en plus gros. Ça ressemble à ça, un article scientifique. Ça, c'est la façon dont les scientifiques communiquent avec leur père.
quand il publie en tout cas. Donc vous avez le titre, le nom, vous avez ici ce qu'on appelle un abstract, qui on pourrait appeler un synopsis, un résumé, voilà, donc il indique ce qu'il a fait, puis une introduction, et dans l'introduction, il ne dit pas « ouais, j'étais content de travailler sur ce sujet et tout », il commence par quelque chose, ben voilà, c'est le premier d'un ensemble de papiers qui va traiter de ceci, cela, dans ce papier-ci, je vais faire ci, je vais faire ça, et ensuite, tout l'article, ben effectivement, il le fait. Il n'y a pas la moindre once d'émotion dans cet article. Et pourtant, Richard Feynman était probablement quelqu'un qui était effectivement passionné par son travail. Alors, une exception à ça très notable, je voudrais parler du cas de Johannes Kepler, qui est probablement c'est une des charnières importantes entre la science, on va dire, médiévale et la science moderne. C'est-à-dire qu'il était très accroché à la science médiévale parce qu'il s'appuyait pour décrire les phénomènes sur des notions de géométrie, beaucoup moins que sur des notions de cause, comme on l'a fait après. Par exemple, il essayait de trouver quels sont les cercles qui permettent de décrire les trajectoires des planètes. Là, si vous cherchez dans Google Mysterium Cosmographicum, vous allez tomber sur cette figure. Et juste pour le dire en deux mots, ce dont il s'est aperçu, Kepler, ça c'est le début de sa carrière, c'est que en... Est-ce que je peux mettre un petit laser ? Non ? Non, ok. C'est que ici, là, si on prend des polyèdres réguliers, donc ce sont des figures tridimensionnelles que l'on imbrique entre elles en les serrant au maximum, en les densifiant le plus possible. Vous voyez que là, le cube qui est ici, enfin vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, il touche l'intérieur de la sphère qui est ici. Ensuite, la sphère qui est ici touche le cube, le polyèdre qui est ici touche la sphère, etc. En fait, voilà, c'est condensé au maximum. Et si on choisit les bons polyèdres et qu'on associe une planète à chacun des polyèdres, eh ben, on trouve pour la taille de ces polyèdres quelque chose qui est proportionnel à la distance à laquelle les planètes se trouvent du Soleil. C'est-à-dire que les tailles qui sont ici, les tailles respectives, l'échelle globale de cette figure donne l'échelle du système solaire. Aujourd'hui, ça a une valeur, on va dire, nulle, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme ça qu'on comprend les tailles dans le système solaire, mais à son époque, c'était quelque chose qui effectivement était très étonnant, qu'il a pris comme quelque chose de significant. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça et de lui, c'est que Kepler, c'est quelqu'un effectivement qui parlait énormément de ce qu'il ressentait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il présentait ses erreurs, ses désespoirs, ça ne marche pas, j'ai passé des nuits, et là, tout d'un coup, ça marche, je suis émerveillé. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions dans Johannes Kepler, mais c'est quelque chose, voilà, c'est l'exception. Je vous en parle parce que précisément, les scientifiques, assez rapidement après, se sont interdits de le faire. Puis je voulais aussi vous montrer ça, en fait, parce que je trouve ça trop bien. Et justement, Kepler, quand il s'exprime, quand il explique ce qu'il ressent, bah, il compte sur l'empathie. Hein, il explique ce qu'il fait en pensant que le lecteur va, par empathie, ressentir la même chose. Je parlerai d'analogie un tout petit peu après. Et il convoque des émotions qui sont très variées. Quand il parle de découverte, ce n'est pas seulement le plaisir de la découverte. Et j'ai fait l'exercice suivant sur la diapo d'après, d'essayer de faire un nuage de mots avec les mots qui interviennent quand on parle de découverte. Quels mots associés à des émotions, quelles sont les émotions qui peuvent être convoquées. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est une expérience que j'ai faite avec des gens. Voilà. On a parlé avec des collègues, en fait, on n'a qu'à parler de découverte, et j'ai mis ici les mots qui sont venus. Donc, voilà, déception, joie, jalousie, soulagement, anxiété, fierté, crainte, culpabilité, plaisir, incrédulité. La conversation n'était pas longue, je pense qu'on aurait pu encore en rajouter plusieurs. Et ce que je vais essayer de faire dans cette conférence, c'est de vous montrer un peu... C'est peut-être surprenant de voir des mots comme anxiété, déception apparaître dans un processus qui paraît quand même assez positif. Découvrir, on a l'impression que c'est quelque chose d'effectivement de positif. Alors, je vais commencer par le plus évident, le mot plaisir. On parle souvent du plaisir de la découverte. Et ce mot plaisir, comme tous les autres d'ailleurs du nuage que j'ai introduit ici, il pose problème. Parce qu'en fait, il ne veut pas dire grand-chose, finalement. Quand on parle du plaisir, il y a tellement de plaisirs de nature très différente que c'est extrêmement difficile, disons, de cadrer, de donner un périmètre qui contiendrait tous les sens du mot plaisir. Et je vais préciser là ce que je viens de dire ici en m'appuyant sur cet ouvrage. Alors, je vais faire ça de temps en temps, vous montrer des livres. Et ce n'est pas juste pour montrer des livres, ce sont des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés en général, celui-là en particulier. Celui-là, il a changé ma façon de voir beaucoup de choses. L'analogie cœur de la pensée de Douglas Hofstadter et Emmanuel Sander. Alors, Emmanuel Sander, je ne le connaissais pas avant, c'est un Français, donc ce livre est très bien. Douglas Hofstadter, il avait fait un autre livre que j'avais beaucoup aimé qui était Gödel, Escher, Bach, hein, Les brins d'une guirlande éternelle, où il parle du théorème de Gödel, d'une manière qui est vraiment, vraiment fabuleuse aussi. Mais ici, dans cet ouvrage, l'objectif, c'est de parler d'analogie et de montrer que, effectivement, à chaque fois qu'on pense, la pensée,
sait faire des analogies, construire des analogies, et que l'essentiel de la représentation des concepts que nous avons, ce sont des catégories qui se remplissent par analogie. Je vais vous expliquer ça juste sur un exemple. Je ne vais pas résumer le livre en 30 secondes, il est tellement riche que ça ne serait pas possible, mais prenons le mot « plaisir ». Si vous voulez savoir ce que c'est que le plaisir, imaginez que vous soyez confronté à quelqu'un qui ne sait pas, malheureusement pour lui ou pour elle, ce qu'est le plaisir. Vous aurez extrêmement du mal à lui expliquer. Si vous allez chercher la définition du dictionnaire, ça ne va pas du tout vous dire ce que c'est le plaisir. La seule manière, en fait, de faire, c'est la suivante. C'est de dire, ben voilà, manger une pêche bien mûre à l'été. On ressent quelque chose, alors on peut ressentir plusieurs choses différentes, mais le plaisir en fera partie, ça ne suffit pas du tout à cerner le problème. Mais voilà, entendre une chanson que vous aimez, mettre un gros pull l'hiver, quand là, ça fait 30 minutes que vous pelez dans la pièce et vous mettez un gros pull. Apprendre une bonne nouvelle, se promener en montagne. Et la manière dont votre esprit, effectivement, met du sens au mot plaisir, c'est exactement comme ça se fait depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous arrivent et vous réalisez parce qu'on vous le dit, hein, ou parce que ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu, vous le mettez dans la catégorie plaisir. Et au début, pour un enfant, je ne sais pas, alors je ne me souviens plus de quand j'étais tout petit, mais j'imagine que le plaisir, c'est plutôt associé à manger, dormir, voilà. Puis au fur et à mesure que les expériences s'accumulent, ben, cette catégorie, elle augmente, elle s'enrichit, elle devient moins précise aussi, mais elle s'enrichit. Et aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, la catégorie de plaisir, elle est extrêmement riche. Elle est beaucoup, je pense que vous pourrez facilement rajouter des plaisirs que je ne me suis pas permis d'indiquer ici, mais qui feraient partie de plein droit de cette liste. Donc parler du plaisir de la découverte, c'est pas un de ceux-ci. Hein. Le plaisir de la découverte, il n'a rien à voir avec cela. C'en est encore un autre. S'il y a un plaisir à découvrir, ce n'est pas celui-ci. Et la seule manière dont je vais pouvoir vous en parler, c'est de le faire par analogie, en fait. Et donc, du coup, de faire aussi appel à votre sens de l'analogie et à votre empathie. On peut faire exactement les mêmes remarques sur le concept de découverte. Concept de découverte, si vous allez voir dans le dictionnaire, je l'ai fait aussi, pour découverte, ça vous dit, la découverte, c'est le fait de découvrir ce qui était inconnu ou caché. Bon, bah, merci, mais voilà, quand on a dit ça, on n'a rien dit, en fait. Et je vais essayer, ce que je vais essayer de faire dans un premier temps ici, dans cette conférence, c'est justement de prendre cette catégorie et d'aller peut-être y ajouter des choses. Je ne sais pas du tout ce que cette catégorie recouvre pour vous, je vais essayer de vous montrer des petits bouts de ce qu'elle représente pour moi, qui suis un scientifique, qui travaille effectivement dans la recherche scientifique. Et alors, il y a quand même deux volets importants qui sont ceux de la définition que j'ai donnée tout à l'heure, mais on va enrichir ça. Découvrir au premier ordre, c'est acquérir la connaissance de ce que je ne connaissais pas encore. Si je découvre, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ça peut être aussi, dans un sens plus restrictif, ce que personne ne connaissait encore. Il y a une nuance entre les deux, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous découvrir quelque chose, ressentir du coup quelque chose lié à cette découverte, mais vous apercevoir ensuite que d'autres gens le savaient. Ça reste pour vous une découverte, pour l'humanité, ça n'en sera pas une. Alors, la différence entre les deux, hein, qui est vraiment actée dans le dictionnaire, elle est pas si claire que ça. Et, par exemple, je vais vous parler en deux minutes ici de Thomas Harriot, qui est un savant anglais peu connu, qui était contemporain de Galilée. Et si j'en parle en relation avec Galilée, c'est que c'est quelqu'un qui a fait des découvertes, les mêmes, qui a un certain nombre de découvertes a fait Thomas Harriot, il les a faites en même temps que Galilée, de manière indépendante, parfois même avant. Par exemple, c'est Thomas Harriot qui, le premier, a pointé une lunette vers la Lune et a découvert que la Lune était composée de cratères qui ressemblaient à des montagnes. Il a découvert ça quelques mois avant Galilée. Ça n'empêche pas que quand Galilée a pointé sa lunette vers le ciel, il a eu l'impression de faire une découverte. Il ne savait pas que Harriot l'avait fait. Ils l'ont fait de manière complètement indépendante. Harriot n'avait pas communiqué grandement, largement sur le fait qu'il avait découvert ça. Donc c'est resté dans un cercle assez restreint. Ce n'est pas arrivé jusqu'à Galilée. Et du coup, du point de vue de Galilée, il a aussi découvert. Galilée a découvert qu'il y avait des montagnes sur la Lune. Harriot aussi. Plusieurs gens peuvent découvrir la même chose, et on peut penser que la nature de l'émotion qu'ils ont eue à ce moment-là était la même. Alors, pour essayer de cerner ces notions de découverte, j'en ai pris plusieurs ici, j'ai fait une petite liste de découvertes, et je vais essayer de vous pointer des caractéristiques qui les différencient. Ce sont certes toutes des découvertes, mais elles ont toutes quelque chose qui les rend différentes de toutes les autres. La découverte de Neptune, j'en reparlerai un tout petit peu à la fin de l'exposé, c'était quelque chose qui était attendu
par la théorie. Il y avait une raison théorique très forte de penser qu'à cet endroit-là, dans le ciel, devait se trouver une planète. Et effectivement, un astronome a pointé son télescope et l'a vu. Donc c'est une découverte qui résultait d'une attente théorique. La découverte de l'hélium, c'est quelque chose d'assez différent. On avait observé dans le Soleil, en regardant le spectre du Soleil, en analysant la lumière qui nous vient du Soleil, que la lumière était absorbée par quelque chose qui se trouvait dans le Soleil et qu'on n'arrivait pas à identifier à des éléments qu'on avait trouvés sur Terre. Donc on l'avait appelé hélium, c'est un élément qui est dans le Soleil, comme Hélios, le Soleil. Et on s'est aperçu après coup que certains éléments sur Terre avaient les mêmes caractéristiques, absorbaient la lumière de la même façon que ce qui était dans le Soleil. Et donc on a découvert cet élément sur Terre, mais alors qu'on l'avait déjà vu bien avant dans le Soleil. Là, du coup, la notion de découverte, elle est un peu, si on veut dater cette découverte, c'est très difficile à faire. Hein. Est-ce que c'est le moment où on l'a vu dans le Soleil ou le moment où on a compris effectivement qu'il s'agissait de tel élément qui était présent à tel endroit sur Terre? La découverte des ondes gravitationnelles, ça j'en parlerai aussi tout à l'heure, c'est quelque chose d'indirect. La première découverte des ondes gravitationnelles s'est faite en observant le mouvement de deux étoiles l'une autour de l'autre. On s'est aperçu qu'elles tournaient de plus en plus rapidement l'une autour de l'autre. Leur mouvement de rotation relatif augmentait au cours du temps et d'une manière qui, si on l'analysait de manière théorique, était compatible avec l'émission d'ondes gravitationnelles. Mais ça, c'était dans les années 70 et on n'avait pas du tout à l'époque le moyen de détecter directement ces ondes gravitationnelles. Ça viendra plus tard, mais on a quand même qualifié ça de découverte des ondes gravitationnelles, de manière donc très indirecte. Pour ce qui est de la relativité, là, le mot découverte, il est peut-être un peu trop fort. La relativité, c'est une théorie. Est-ce qu'on découvre une théorie? Non, ce n'est pas quelque chose où on ouvre un papier et puis on tient, il y a une théorie de la relativité, c'est intéressant. Enfin, pour d'autres que Einstein, oui, mais pour Einstein, non, c'est une invention. C'est quelque chose qui est sorti de son cerveau, avec l'aide effectivement du travail de gens qui avait été fait avant. Il n'a pas tout fait à partir de rien, mais c'est quand même sorti du cerveau d'Einstein. Et du coup, cette découverte, moi, je ne donnerais pas le nom de découverte, en fait, même si assez couramment on l'inclut dans cette catégorie-là. La découverte de l'expansion cosmologique, le fait que l'univers s'expande, ça aussi, c'est quelque chose qui est très difficile à dater et à qualifier. Au début du XXe siècle, il y a eu des indices théoriques qui laissaient penser que l'univers pouvait être quelque chose qui n'est pas statique, donc qui est en train de se contracter ou de s'expandre, mais ça sortait uniquement des équations. Par ailleurs, on avait des éléments qui nous montraient que les galaxies autour de nous semblent s'éloigner de nous, donc en observant la lumière qui nous vient des galaxies avec ce qu'on appelle l'effet Doppler, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on arrive à savoir que des galaxies s'éloignent. Le fait que les galaxies qu'on observe que les galaxies s'éloignent de la nôtre, ça aurait pu être mis en relation avec la théorie dont j'ai parlé tout à l'heure, et on aurait pu dire, voilà, ça conforte le fait que l'univers s'expand. Ce n'est pas ça qui s'est passé. En fait, ces deux informations théoriques et expérimentales sont restées assez déconnectées, et il a fallu attendre une quinzaine d'années pour que, dans les années 1930, effectivement, quelqu'un ait l'idée de mettre ces deux choses-là ensemble et de dire, tiens, l'univers est quelque chose qui est en train de s'expandre. Et on date de cette époque-là l'expansion cosmologique. Mais c'est en fait beaucoup plus diffus que ça dans le temps. Et pour ce qui est du boson de Higgs, ça j'en parlerai aussi à la fin un tout petit peu plus, ça c'est une découverte qui est programmée, c'est-à-dire qu'il y avait des raisons théoriques de penser qu'en faisant telle mesure avec tel gros appareil qui coûte cher, on allait mesurer et mettre en évidence telle particule. Ça a pris du temps pour construire l'appareil, pour le mettre au point, etc. Je vous la fais courte, il y a eu des petits chaos, mais je vous la fais courte. Effectivement, on met l'appareil en marche, au bout de quelques années, on arrive à mettre en évidence ce qu'on pensait. Donc cette découverte, de quand est-ce qu'elle date? Est-ce qu'elle date du moment où on a eu l'idée théorique, du moment où on a mis l'appareil en marche, ou au moment où on a analysé les données pour effectivement s'apercevoir que l'appareil donne effectivement ce qu'on attendait? C'est un petit peu compliqué à décider. Il y a aussi un aspect de temporalité que j'ai évoqué un petit peu dans les exemples que je viens de donner sur la découverte. Il peut y avoir un aspect instantané ou très rapide, quelque chose qu'on découvre et du jour au lendemain, le monde change parce qu'on a découvert quelque chose. Ça peut aussi prendre des décennies. Par exemple, j'ai parlé du boson de Higgs. C'est un bon exemple de quelque chose qui met du temps, ou même les ondes gravitationnelles. On peut avoir une attente théorique, se dire que si je construis tel appareil pour vérifier la théorie et mettre en évidence le boson de Higgs, par exemple, ça peut dire ça, je dis rien, mais ça peut mettre des décennies à construire l'appareil simplement, ou à avoir les moyens technologiques pour construire un appareil qui est suffisamment performant pour réaliser la tâche qu'on lui demande.
Et c'est effectivement ce qui se passe dans le milieu de la physique des particules, notamment dans pas mal de domaines de la physique, ça peut être le cas. Et pour ça, les blocages qui peuvent faire que ça prend du temps, ils sont de plusieurs ordres. Ça peut être des blocages. Je viens de parler de blocage technique, c'est le deuxième qui est ici. Donc on n'a pas les machines au moment voulu pour faire ce qu'on veut. Ça peut être des blocages théoriques. Par exemple, des anomalies sont mises en évidence. Une anomalie, c'est un désaccord entre ce qu'on attend et ce qu'on observe. Parfois, on observe quelque chose, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. La théorie n'est pas suffisamment avancée pour se dire « tiens, j'observe quelque chose qui est une anomalie ». Vous irez voir, si ça vous intéresse, l'anomalie du périhélie de Mercure. Mercure, c'est une planète qui est la plus proche du Soleil. Il y a un problème, une anomalie dans son mouvement. Ça ne correspond pas exactement à ce qu'on attendrait si on applique les lois de Newton. Et il a fallu attendre longtemps pour s'apercevoir qu'effectivement, c'était une anomalie. Il fallait avoir une théorie. Pas la théorie de Newton, mais les applications de la théorie de Newton qu'on appelle théorie des perturbations, mais peu importe, pour s'apercevoir qu'effectivement il y avait un décalage entre l'attendu et l'observé. Et il peut y avoir aussi, c'est peut-être plus surprenant, des blocages psychologiques. Par exemple, il y a des choses, on a tous les éléments, les scientifiques ont tous les éléments en main pour faire une hypothèse, une découverte, mais ça peut prendre des décennies. J'ai cité ici le cas de la constante cosmologique. En cosmologie, on décrit aujourd'hui notre univers comme quelque chose dans lequel il y a une composante qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Ça s'appelle la constante cosmologique. Ça, c'est quelque chose qui avait été introduit dès le début de la relativité générale dans les années 1915, en gros par Albert Einstein, 1915. Dans les années 60-70, les astronomes ont eu des clés pour dire ben, voilà, cette constante cosmologique, effectivement, elle signifie quelque chose, elle est probablement... Il faut probablement la mettre dans les équations. Or, la plupart des gens qui faisaient de la cosmologie ne la mettaient pas parce que c'était plus simple sans, et puis ils ne voyaient pas vraiment le besoin. Il a fallu attendre 1998 pour qu'on s'aperçoive qu'en fait, ben, si, en fait, il y a des indices très, 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 très forts pour la mettre. Et aujourd'hui, tous les cosmologistes, effectivement, la considèrent. Mais il a fallu, vraiment beaucoup de décennies. Voilà. Je passe sur la suite. Je mets ici un autre nuage de mots qui peut être construit quand on discute de découvertes avec des collègues. Ben voilà, publication, observation, découverte, invention, réfutation, démonstration, etc. C'est quelque chose qui peut être assez riche. Un des mots sur lequel je vous invite à vous pencher, c'est celui-là, là, PROMS. Ça, c'est important pour beaucoup de collègues, parce que découvrir quelque chose, c'est chouette, mais découvrir quelque chose que quelqu'un a déjà découvert, ça gâche un peu. J'en parlerai un petit peu aussi tout à l'heure. Alors, j'en viens aux émotions que peuvent susciter cette découverte. Et donc, je ne vais pas essayer d'être didactique, je serais incapable, et ce n'est pas mon rôle ici, en vous disant, ben voilà, les scientifiques ressentent ceci, ceci, cela. Je vais faire appel, comme Kepler, à votre empathie et à votre sens de l'analogie, en vous mettant dans des situations dans lesquelles vous pourrez peut-être vous projeter et de voir ce que vous ressentiriez dans la situation des gens. Alors d'abord, je parle des gens, mais qui est-ce qui s'émeut des découvertes? La première réponse évidente, c'est les personnes qui découvrent. Mais là, déjà, quand on parle des personnes qui découvrent, je ne sais pas si vous avez à l'esprit en fait, la nébuleuse que ça représente, l'ensemble de personnes. Il y a certes les personnes, les scientifiques qui publient leur travail, mais pas que. Il peut y avoir des collaborateurs qui sont intervenus de manière un peu discrète et qui ne sont pas forcément cités ou pris en compte comme découvreurs. Et vous avez surtout derrière, en général, une armée de gens invisibles. Vraiment. Des techniciens, des administratifs, des étudiants, j'ai mis ici des thésards, c'est un mot, c'est pas très joli ça, des étudiants en thèse ou autres, ou en stage, etc. Voilà, vous avez tout un tas de gens qui participent à ces découvertes et qui très certainement ressentent quelque chose au moment où la découverte est faite, parce qu'ils savent, eux, qu'ils ont participé à quelque chose. Ça peut être leurs pairs aussi, les pairs des personnes qui découvrent, les gens de la communauté, quelqu'un qui travaille dans le même domaine. Ça peut être des collègues, ça peut être des rivaux dans le sens des gens qui travaillent sur le même sujet et qui auraient bien aimé faire cette découverte-là. Malheureusement, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Donc là, je pense que vous imaginez qu'il peut y avoir une connotation négative dans l'émotion. J'ai parlé de jalousie tout à l'heure. J'allais vous dire c'est un mot qui est trop fort, mais non, ce n'est pas fort. Il y a certainement de la jalousie qui peut être présente. Hein. Et enfin, à une échelle plus large, il y a la société. La société ressent aussi les gens, vous, nous, voilà, en tant que citoyens, ressentons quelque chose. J'ai décomposé ici, ce sont les journalistes, le grand public, les politiques, ça a été rappelé tout à l'heure par les gens qui sont intervenus, et les citoyens. Hein, quand vous lisez dans le journal qu'on a découvert un vaccin contre telle maladie, vous ressentez probablement quelque chose, même si ce n'est pas vous qui avez fait la découverte.
Et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette direction-là, en vous parlant en fait, de comment est-ce que la culture, comment est-ce que notre fond culturel, ce qu'on a en nous qui vient de la culture, peut conditionner l'émotion qu'on peut avoir lorsqu'on nous parle d'une découverte ou lorsque nous-mêmes on découvre quelque chose. Et pour ça, un moyen puissant d'accéder à ce que collectivement on a dans la tête, c'est les mythes, la mythologie. Et de nombreuses recherches, je serai un tout petit peu plus précis au transparent d'après, mais montrent que les mythes sont révélateurs d'un inconscient, au niveau peut-être personnel, psychanalytique, hein, mais aussi au niveau d'une société, d'une culture. Il y a beaucoup de choses, une richesse dans les mythes qui disent quelque chose sur la société dans laquelle on est et sur la façon dont notre société perçoit des choses, dont la science, la connaissance. C'est pour ça que j'en parle ici. Et le point d'entrée que moi j'ai eu sur ce sujet que je trouve maintenant passionnant, c'est le livre qui est ici. Un livre de Joseph Campbell qui s'appelle Le héros aux mille et un visages, qui date de 1949. Et cet ouvrage donc s'intéresse à ce qui s'appelle des archétypes. Des archétypes, ce sont on va dire, des profils de héros. Quand on analyse, c'est ce qu'a fait la personne ici, qu'on analyse la littérature, toute la littérature depuis 2000 ans, voilà, on s'aperçoit que les personnages dans les mythes ne sont pas, n'ont pas des propriétés aléatoires et très différentes. En fait, il y a quelques typologies, il n'y en a pas beaucoup, bien bien marquées, et il y a quelques structures d'histoire qui sont très marquées aussi. C'est le voyage du héros. Et en fait, tous les mythes sont finalement construits sur un squelette qui est le même. Et c'est vraiment fabuleux à lire, effectivement. Et il se trouve que ce livre s'inscrit dans une histoire qui est la suivante. Il s'appuie d'une part sur les travaux de Carl Jung, qui est un psychanalyste qui effectivement s'est intéressé au mythe, à la place du mythe dans la tête des gens, mais aussi dans les sociétés. Et Joseph Campbell, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a en gros décrypté ce qu'a écrit Jung, parce que si vous voulez lire Jung dans le texte, bon courage. Mais voilà, Campbell l'a un peu décrypté et l'a appliqué à des livres aussi parfois plus récents que ce que n'avait fait Jung. Donc, si vous voulez, ça, c'est la version un peu pour tout le monde de ça. Et je vous invite plutôt à lire ça, en fait, hein, vraiment. Bon. Et ça s'est un peu poursuivi. Il y a ce livre-là de Christophe Vogler qui s'appelle The Writer's Journey, qui fait quelque chose d'extrêmement intéressant, qui va chercher dans ce livre-là le voyage du héros et se pose la question, bah, si maintenant vous voulez écrire des histoires, vous êtes écrivain ou vous êtes scénariste, est-ce que vous ne pouvez pas vous inspirer de ce voyage du héros pour faire des histoires qui touchent plus les gens? Parce que si tous les mythes racontent les histoires de la même façon, il y a probablement une raison. C'est probablement parce que justement ça touche les gens de façon plus efficace. Et du coup, il donne des conseils aux écrivains et aux scénaristes pour écrire de manière plus efficace. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Vogler, quand il a écrit ce bouquin, il travaillait pour les studios Disney. Et en fait, vous regardez les Disney des années 90, voilà, même 80-90, il a commencé à travailler sur ça très tôt. En fait, c'est construit sur la base de ça, en fait. Il y a des gens qui se sont mis devant un tableau noir et qui ont écrit, ben voilà, le voyage du héros, les mythes, c'est construit comme ça. Et ben, le prochain Disney, il sera construit sur cette trame-là aussi. Et c'est extrêmement intéressant d'aller voir justement dans le détail tel film, comment est-ce qu'il est analysé, comment il suit effectivement la trame universelle de la mythologie. Et après, je vous assure, vous ne regardez pas du tout un film de la même façon, parce que vous apercevez que tous les studios hollywoodiens font ça. Toutes les séries que vous regardez, elles sont partagées. En gros, enfin, je vous fais un point qui est vraiment extrêmement frappant, c'est la temporalité. Vous avez toujours à la moitié du film, il se passe un truc grave. Et le premier tiers, le deuxième tiers et le troisième tiers correspondent à des phases très différentes d'un film aussi. Si vous avez un chronomètre quand vous regardez un film, faites-le. Arrêtez le film au tiers du film et demandez-vous ce qui est en train de se passer. Arrêtez-le à la moitié et arrêtez-le aux deux tiers, vous allez être surpris. Et ça ne s'arrête pas tout à fait là, voilà, parce qu'il y a encore quelqu'un, donc Bill Johnson, qui est allé un peu plus loin et qui lui donne vraiment un guide pratique. Genre, voilà, vous êtes spin doctor, vous êtes là pour réparer les scripts de gens dans une agence hollywoodienne, et ben voilà ce qu'il faut faire. Et ce sont des gens qui sont extrêmement influents. Alors, je valide pas forcément la méthode, enfin, c'est même pas mon rôle, mais bon, je vais dire autrement, je trouve ça un peu bizarre de donner une recette toute faite pour faire des scénarios, mais c'est comme ça que c'est fait dans les films que vous regardez, la plupart des films que vous regardez, effectivement, qu'on regarde tous. Alors, tout ça pour en venir à ce héros au mille et un visages et au mythe, là. Je voudrais parler de science. Donc, les mythes qui sont de près ou de loin reliés à la science, j'en ai relevé quelques-uns ici.
Pandore, Prométhée, Adam et Ève, bien sûr, hein, donc, Frankenstein, Icare, et l'Homunculus, qui lui est plus lié à l'alchimie, mais qui fait partie aussi d'une certaine mythologie du Moyen-Âge. Bon. Je parlerai de quelques-uns de ces archétypes un tout petit peu après. Voilà. Ce travail d'aller chercher des archétypes dans la science a été fait dans le livre qui est ici, qui est lui aussi un livre qui est vraiment extrêmement intéressant à lire, qui s'appelle « From Madman to Crime Fighter, The Scientist in Western Culture », où justement la personne fait le travail d'aller adapter les ouvrages que précédents là, au monde de la science et non pas au monde du cinéma, et a dégagé effectivement quelques figures types du scientifique dans la culture occidentale. Alors là, je ne vais pas vous parler tout de suite de ce que sont vraiment les scientifiques, mais de comment est-ce qu'ils sont perçus, comment est-ce qu'ils ont été perçus, au point que les gens qui en parlent en fiction en parlent toujours de la même façon. C'est parti. Alors, vous avez déjà, en premier lieu, l'alchimiste qui libère des forces obscures incontrôlables. C'est lui, Voldemort, voilà, dont le credo serait « Il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher. » Voilà, ça c'est une image que vous pouvez décliner dans beaucoup, beaucoup de cas. Hein. Quelqu'un qui a un pouvoir qui lui vient d'une connaissance, ici l'alchimie ou la magie, mais peu importe, hein, vous pouvez décliner ça comme vous voulez. Ça c'est un personnage très fort dans la fiction. On y reconnaît un petit peu, ici par analogie, la bio-ingénierie, la physique nucléaire, l'intelligence artificielle. Des gens qui, effectivement, on peut avoir l'impression qu'ils s'attaquent à des forces obscures incontrôlables. Quand on s'attaque à la physique nucléaire, voilà, ça donne Hiroshima, par exemple. Donc on pourrait, peut-être, on serait peut-être tenté d'assimiler les physiciens nucléaires à ce Voldemort. Vous avez le savant distrait, déconnecté du monde réel. Donc là, c'est Jerry Lewis dans The Nutty Professor. Donc ça, vous avez tous aussi vu ce personnage dans plein de fictions. Bon, bah, en vrai, moi, j'ai des collègues comme ça, mais bon, ça, c'est un autre problème. Vous avez l'aventurier du monde réel qui repousse les frontières. Alors, ça, c'est Bukharu Banzai. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Bukharu Banzai. Bah, vous irez regarder le film. Voilà, le gars qui sait tout faire, qui joue de la guitare, qui est physicien, théoricien, mais aussi expérimentateur, et qui voyage dans le temps et qui sait tout faire. Bon. Vous avez bien sûr le savant fou, l'image du super méchant des comiques. Donc j'en ai pris un ici un peu au hasard, Docteur Doom en anglais, Docteur Fatalis en français. Donc dans les super-héros, vous avez toujours les super méchants qui, en général, ont un niveau scientifique élevé, mais qui appliquent la science pour faire le mal. Et vous avez enfin le savant dépassé, c'est-à-dire qui perd le contrôle de sa découverte et de sa création. Donc là, l'archétype de ça, c'est enfin, le représentant qui vient tout de suite à l'idée, c'est Frankenstein. Donc là, j'ai mis le titre du livre, Frankenstein ou le Prométhée moderne, de Marie Shelley en 1818. Vous voyez que le titre original, hein, ça fait appel à la mythologie, hein, Prométhée qui a volé le feu aux dieux. Et je vous rappelle aussi que Frankenstein, c'est pas lui. C'est lui. Frankenstein, l'histoire de Frankenstein, l'histoire de Mary Shelley, nous parle autant du scientifique qui a créé ce monstre que du monstre lui-même. Voilà. On pourrait rattacher ici les exemples dans le vrai monde, on va dire, de scientifiques que j'ai donné tout à l'heure, la bio-ingénierie, le physicien nucléaire, etc. Ça pourrait aussi, dans une certaine mesure, se recouvrir avec cet archétype-là. Bon. Donc voilà, en gros, en fiction, là, j'ai plutôt pris le cinéma, mais pas que, on a ces archétypes-là, mais les vrais scientifiques. Si vous demandez à des gens, on pourrait faire l'exercice ici, là, on n'a pas trop de temps de le faire, mais moi, je l'ai fait par ailleurs, je demande aux gens de me citer un scientifique qu'ils connaissent, alors un Français. Alors, bon, il n'est pas français, mais c'est celui auquel souvent les gens pensent. Bon, enfin, il est canadien, mais Hubert Reeves, voilà. Il y a dans l'inconscient populaire français, en tout cas, l'idée que c'est plutôt lui. Et c'est aussi un des archétypes que je ne l'ai pas mentionné, mais dont parlait le livre de tout à l'heure. C'est l'idéaliste. Bon, lui, c'est un archétype aussi. Hein. C'est-à-dire que Hubert Reeves, je ne le connais pas personnellement, mais il est certainement pas égal à l'image que tout le monde s'en fait. Et c'est le vrai scientifique. Alors, pardon. C'est un vrai scientifique, hein, que les choses soient claires. Ou plus précisément, il a eu une activité scientifique intense et reconnue.
il y a de nombreuses années. Il est ensuite passé à plutôt de la, enfin même carrément de la vulgarisation et de la diffusion du savoir scientifique, et il le fait de manière extrêmement remarquable. Mais ce qu'on en voit maintenant, ce n'est plus un scientifique en activité. Alors du coup, les vrais scientifiques, ben on en parlera un tout petit peu après, mais c'est aucun de tout cela en fait. Alors pardon, je peux peut-être quand même en dire un mot aussi maintenant. Les vrais scientifiques, en fait, c'est des gens, ben vous, c'est vous, c'est nous, c'est moi. C'est pas des gens qui ont spécialement, on va dire, un profil fort du type, ben voilà, quelqu'un qui va dépasser, qui va essayer d'accéder à la connaissance pour s'en servir, pour gagner le pouvoir sur tout le monde. C'est pas forcément quelqu'un qui est hyper passionné non plus. En fait, faire de la science, c'est un métier. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on apprend à le faire. Souvent, on y va par goût, hein, mais ce n'est pas la seule raison. Hein. Vous avez des scientifiques qui n'ont pas une passion pour, le sujet sur lequel ils travaillent, mais qui sont des très bons scientifiques. Ça demande une technicité, ça demande pas mal de dévouement aussi en temps, hein, certainement, d'abnégation. Mais voilà, la passion n'est pas... Et du coup, quand vous rencontrez des scientifiques, vous pouvez très bien en rencontrer, ne pas vous rendre compte qu'ils sont scientifiques parce qu'ils vont vous parler d'autre chose. Que de science, c'est des gens, quoi. C'est des gens. Alors, pour revenir au problème des émotions que suscitent les découvertes, on se heurte assez vite à une ambiguïté fondamentale, qui est la suivante. D'une part, les découvertes et la science en général, elles suscitent de la peur et de l'espoir. La peur, c'est le fait que la connaissance corrompt, entraîne le malheur, la destruction, la damnation. Bon, c'est biblique, hein, 'fin, c'est mythologique aussi. Les mythes nous disent ça depuis le départ. Apprendre, connaître, c'est risquer et ça risque d'apporter le malheur. C'est ce que disent beaucoup de mythes. J'en montrerai un tout de suite après. Mais il n'y a pas que ça, bien heureusement. C'est aussi la science résoudra nos problèmes. Alors, j'ai mis le futur, mais elle résout déjà des problèmes. Hein. La société d'aujourd'hui, qui est très, très, très scientifique, profite d'un grand nombre d'avancées que la science a faites. Pardon. Donc, on a l'espoir qu'elle va résoudre nos problèmes, nous permettre de vivre plus vieux, en meilleure santé, plus heureux, voire d'atteindre les étoiles. Voilà. On peut mettre tout un tas de choses positives derrière ça. L'émotion, quand il y a une découverte qui est faite, forcément, il y a ces deux choses-là qui se mélangent. Alors, il y a peut-être des découvertes qui sont suffisamment anodines pour ne pas susciter beaucoup de peur, mais dans ce cas, il n'y a pas beaucoup d'espoir associé non plus. Hein. L'un est à la hauteur de l'autre en général. Et de toute façon, les humains sont curieux. C'est-à-dire que là, je ne sais pas de vous dire, et je pense que personne n'essaiera de vous dire, bah, c'est bien, c'est mal d'essayer de connaître. Les humains sont curieux. C'est-à-dire, s'il y a un truc à chercher, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de le chercher. Ce n'est pas possible d'interdire aux gens de penser. Voilà. On peut leur donner peu de moyens et les brider dans les moyens d'accéder à la connaissance, mais vous ne briderez pas la curiosité. Et du coup, je vais vous parler ici du mythe de Pandore. Pandore et sa boîte. Alors, on parle souvent de la boîte de Pandore. En fait, c'était plutôt une amphore, mais peu importe. Et alors, le mythe de Pandore, je ne sais pas si vous êtes familier avec. Moi, je me suis rendu compte en préparant cette conférence que je ne l'étais pas. La boîte de Pandore, c'était, pour reparler des analogies, c'était une catégorie qui regroupait beaucoup de choses. Mais en fait, j'aurais été incapable de vous dire l'histoire. Mais maintenant, je peux, donc je vais le faire. Voilà. Donc, l'histoire, c'est la suivante. Zeus a créé Pandore de toutes pièces. Plutôt, il a fait créer aux autres dieux un être à partir d'argile et d'eau. Et c'était Pandore. Et il a demandé aux autres dieux de parer Pandore de la beauté, de l'intelligence, de la curiosité, d'un savoir-faire dans certains arts, comme le tissage, etc. Bref, voilà. Tout le monde s'est mis à faire quelqu'un qui est Pandore et quelqu'un d'exceptionnel. Bon. Pourquoi ? L'idée, c'était de mettre Pandore dans les pattes de Épiméthée. Épiméthée, qui était le frère de Prométhée. Prométhée avait volé le feu aux dieux, et Zeus voulait s'en venger. Et du coup, vous allez voir le plan diabolique. Donc ça consistait, pour s'en venger, à fournir cette personne miraculeuse à Épiméthée. Bon, ça semble sympa comme vengeance, hein. Je pense qu'Épiméthée, il était plutôt content. Sauf que Zeus avait donné une boîte à Pandore en lui disant, surtout, tu ne l'ouvres pas. Jamais, la boîte, tu ne l'ouvres pas. Bon, évidemment, qu'est-ce que fait Pandore ? Elle ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte ? Ben voilà, tous les maux de l'humanité. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil et l'espérance. Voilà. Pandore, par sa curiosité, libère tous les maux sur la terre. Et alors, c'est pas tout à fait la fin de l'histoire, hein, parce que Pandore se dit, oula, là j'ai... Oups, la boulette. Je vais tout remettre dans la boîte, sauf qu'elle n'a rien réussi du tout à remettre dans la boîte. Il n'y a que l'espérance, qui n'avait pas eu le temps de sortir. Elle a pu fermer la boîte avant que l'espérance n'en sorte. Bon,
On est bien avec ça. En tout cas, vous voyez que ici, ce que nous dit ce mythe, alors on peut le voir comme effectivement la connaissance c'est mal, etc., mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le fait que la curiosité et l'interdiction, c'est un motif puissant pour les humains. Pour arriver à ses fins, Zeus, il a fait deux choses. Il a dit à Pandore, tu n'ouvriras pas la boîte. Et il avait dit à et Prométhée avait dit à Épiméthée, tu n'acceptes aucun cadeau de Zeus. Parce qu'il savait, Prométhée, que s'il y avait un cadeau, il allait forcément avoir un revers de la médaille. Donc, c'est basé sur le fait que, de toute façon, on a beau interdire à quelqu'un d'essayer de faire quelque chose, de comprendre quelque chose, la personne va le faire. C'est vrai en particulier pour apprendre et comprendre. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'une fois qu'on a ouvert la boîte, on ne peut pas remettre les choses dedans. Et ça, très clairement, une fois qu'on a appris quelque chose, compris, on ne peut pas le décomprendre. On est incapable de faire ça, à la fois au point de vue individuel et au point de vue d'une société. Une fois que quelque chose est sorti de la boîte, ça n'y rentrera jamais. Ce qui ouvre du coup la question de la responsabilité des chercheurs. Par exemple, pour prendre un exemple au hasard, une découverte telle que telle mutation de tel virus que je viens d'induire dans mon laboratoire de recherche est résistante à tout vaccin connu. Est-ce que cette découverte doit être rendue publique? Ça se discute, et on va pas le faire ici, ça se discute. Bon. Mais est-ce qu'elle peut seulement être cachée, effectivement, une fois qu'elle est faite? Est-ce qu'on peut vraiment? C'est pas évident du tout non plus, et en particulier si on la cache là, il y a probablement quelqu'un d'autre ailleurs qui va finir par la trouver aussi. Du coup, est-ce qu'on doit permettre les conditions qui mènent à sa découverte? Est-ce qu'on doit brider la recherche au point que cette découverte que je viens de dire ne peut pas être faite, par exemple en arrêtant de faire des recherches en bio-ingénierie, en génétique, etc. Je n'ai pas de réponse, hein, ce sont des vraies questions de société. Mais la question de l'émotion dans la découverte, elle est pleinement contenue là-dedans. C'est-à-dire que l'ensemble des émotions qu'on éprouve quand on entend parler de diverses découvertes, c'est des façons où on répond inconsciemment, individuellement à ça. Alors, une autre découverte exactement du même type, E égale MC2, vous avez tous entendu parler de ça, E égale MC2, c'est quelque chose de théorique, ça vous dit que dans une certaine masse, il y a une certaine quantité d'énergie, ce qui se trouve être énorme, et cette découverte scientifique purement théorique a conduit, après plusieurs étapes, à la conception d'armes thermonucléaire. C'est entièrement basé sur ça. Pas que, hein, il y a plein d'autres découvertes et inventions qui sont basées sur ça et qui sont beaucoup plus positives, mais voilà, les armes thermonucléaires, c'est directement lié à ça. Et du coup, ça pose la question, est-ce qu'on aurait dû interdire aux chercheurs de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, genre Albert Einstein et d'autres, de réfléchir à la relativité, parce que ça, c'est la relativité, en fait. Probablement que non, les gens n'avaient aucun moyen à l'époque de savoir que ça allait mener aux conséquences que je viens de dire. Alors, j'avais prévu ici de m'apesantir un petit peu sur quelques exemples, mais je vais le faire de manière très très légère. J'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé, mais je suis pas loin de l'heure à laquelle je devrais avoir fini. Donc sur les exemples, je vais juste en prendre un, en fait. Je vais les flasher, je vais pas, juste pour que vous soyez frustrés. Voilà, j'aurais pu vous parler de ça. Super intéressant. J'aurais pu vous parler de ça aussi. Oh, super intéressant. Mais en fait, je vais vous parler de ça. Voilà, dans les exemples, je vais juste me concentrer sur celui-là. Donc j'ai dit tout à l'heure que les ondes gravitationnelles avaient été découvertes indirectement en étudiant le mouvement d'étoiles les unes autour des autres. Leur mouvement était accéléré et donc il y avait quelque chose qui était émis. Ce quelque chose, ça s'appelle des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes dont l'existence est prédite de manière théorique par la relativité générale, une des théories d'Einstein. Et voilà, c'est autre chose, c'est une onde de type différent des ondes électromagnétiques comme la lumière, des ondes radio, etc. C'est encore autre chose. Ça a une histoire théorique un peu compliquée, mais voilà, à partir du moment où indirectement on a vu ces étoiles qui tourbillonnaient de plus en plus vite l'une autour de l'autre, on a compris que oui, c'était des objets réels, ça existait. Du coup, se sont mis en place des projets pour les observer de manière directe. Et ça, c'est fait avec ce qu'on appelle un interféromètre. Vous avez ici l'interféromètre qui s'appelle LIGO, qui est aux États-Unis. Il y en a en Italie qui s'appelle Virgo, sur lequel travaillent aussi beaucoup de Français. Interféromètre, là, je vous la fais très court aussi. Vous avez ici un miroir aussi.
Et vous avez ici une source de lumière qui envoie de la lumière par là et par là. Donc la lumière va par là, revient, elle part par là, elle revient. Et quand vous avez une onde gravitationnelle qui passe, l'effet de l'onde gravitationnelle, c'est de changer les distances, de raccourcir un peu certaines distances, d'en rallonger d'autres. Et du coup, quand l'onde passe, vous avez un bras qui devient un peu plus court que l'autre. Et ça, grâce à un phénomène optique qu'on appelle les interférences, quand vous recombinez de la lumière qui a fait des trajets légèrement différents, il se passe un truc de malade. Ça peut donner de l'obscurité. Lumière plus lumière, dans certaines conditions, paf, ça donne de l'obscurité. Ou une lumière un peu moins intense que ce qu'on attendait. Ou une lumière plus intense que ce qu'on attendait. Bref, la lumière qui résulte de la recombinaison de deux faisceaux lumineux dépend de la différence de temps de trajet qu'elles ont. Et donc ça, c'est mis en œuvre là-dedans. Et du coup, voilà, on regarde, on a ces bras qui sont au repos. Et ici, on recombine les faisceaux, on regarde la quantité de lumière que ça donne. Et quand il y a une onde gravitationnelle qui arrive, on voit un signal qui est fait d'une augmentation de la quantité de lumière, puis une diminution, etc. Et ça ressemble à ça. On va regarder les deux graphes qui sont ici. Ça, c'est le temps, ici. Ça, c'est l'intensité du signal. Donc là, c'est un camion qui passe, quelqu'un qui marche ou qui chantonne, tatatac. Puis à un moment, là, il y a quand même un signal super intéressant qui correspond effectivement au signal qu'on attend d'une onde gravitationnelle qui viendrait d'une coalescence d'étoiles qui se situerait très loin. Des étoiles qui tournent, ou des trous noirs, selon, bref, des objets stellaires qui tournent l'un autour de l'autre, et en tournant, ils émettent des ondes gravitationnelles, c'est la détection indirecte dont j'ai parlé tout à l'heure, et du coup, c'est détecté sur Terre par ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici deux détecteurs qui étaient à des endroits complètement différents aux États-Unis et qui ont détecté la même chose en même temps. Donc ça, c'est un signe pour dire que là, c'est pas quelqu'un qui est en train de chanter la Marseillaise et là aussi. Il aurait fallu que quelqu'un chante la même chose exactement au même moment. L'échelle qui est ici, c'est une fraction de seconde. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très court. Et donc le fait que ça soit la même chose des deux côtés, plus tout un tas d'autres tests qui ont été faits, montre qu'effectivement c'est un signal d'onde gravitationnelle. Et du coup on l'a détecté directement. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cet exemple, c'est que j'ai un collègue qui a travaillé qui travaille encore d'ailleurs sur ces sujets-là, qui a participé à la découverte. Et donc je suis allé le voir et je lui ai demandé, Damir, je vous dis pas son nom, je lui ai demandé, Damir, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ça, quand toi tu as eu accès à la découverte, tu as vu la première fois ça. Il m'a dit au tout début j'y ai pas cru en fait. Ah bon? Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'avant de détecter ça, pour savoir si effectivement l'expérience marche, c'est des rigolos, hein, les gens des ondes gravitationnelles, ils ont une équipe qui injecte dans le signal, dans ce que détecte l'appareil, ils injectent des fausses découvertes. Ils mettent des bruits qui ressemblent à ce qu'on attendrait, et du coup, pour voir si derrière les gens qui sont chargés de l'analyse le voient. Dire si je mets effectivement un signal, est-ce que à la fin ça va être détecté? Une raison pour laquelle ça pourrait ne pas l'être, c'est que vous avez un peu de bruit qui est ici, donc ce bruit pourrait totalement recouvrir le signal et faire en sorte qu'il soit complètement noyé. Donc régulièrement, il y avait des farces. Enfin, c'est pas des farces, hein, c'est un protocole qui est bien identifié, etc. Et donc ce collègue m'a dit, au début, je croyais que c'était juste un de ces faux événements. Voilà. Donc il allait demander, on lui a dit non, mais pas du tout. Non, mais attends, si, parce que là, il est trop beau. En fait, ça, c'est l'autre remarque. Il m'a dit, mais en plus, c'était trop beau. C'est-à-dire que les faux événements qui étaient mis dans les chaînes n'étaient pas aussi beaux que celui-là, en fait. Donc il s'est dit, c'est juste pas possible. Bon. Quand même, au bout d'un certain temps, il a compris que c'était une découverte. Et puis, effectivement, il était heureux d'avoir participé à ça. Il a eu un peu de difficulté, d'ailleurs, à me décrire avec précision l'émotion qu'il a ressentie. Mais ça, je pense que, de toute façon, déjà, notre vocabulaire, il est très pauvre pour parler d'émotion. Et puis, je pense que c'est toujours un moment un peu délicat, surtout de parler d'une émotion qu'on a ressentie il y a quelques années. Mais en tout cas, le souvenir qu'il avait, c'est que le souvenir le plus fort... la plus forte dont il se souvient, c'est quand il a été invité à parler avec un des futurs prix Nobel au CERN. Il y avait une conférence avec quatre personnes qui avaient travaillé sur ça, qui parlaient à l'ensemble des collègues du CERN, donc leur père, hein, des gens qui étaient chercheurs comme eux. Et il m'a dit, quand je me suis adressé à ces gens-là et que j'ai vu dans le regard des gens ou dans les réactions des gens que, vraiment tout le monde était ému par cette découverte qu'on avait faite, dit là, c'est vraiment le truc le plus fort qui m'a été donné de ressentir. Plus que le fait de lui avoir eu accès à la découverte, c'est le fait d'avoir participé à quelque chose auquel tout le monde adhère et qui finalement suscite une émotion très forte collectivement. Au passage, il n'y avait pas que des émotions positives non plus, il m'a dit, dans l'assistance.
Il y avait aussi, par exemple, il m'a pas donné de nom, il y avait des théoriciens qui, visiblement, étaient quand même un peu applaudissaient du bout des lèvres, quoi. Parce que, enfin, c'est nul à applaudir du bout des lèvres, bref, vous m'avez compris. Parce que ils étaient, eux, persuadés que certaines théories devaient conduire à des modifications de la relativité générale et qui, du coup, ne devaient pas, on n'aurait pas dû voir ça si leur théorie était correcte. Or, on le voit. Donc voilà, pour eux, la découverte, c'était une mise en cause de leur travail, de la validité de ce qu'ils faisaient. Et ça, il le sentait, il l'a senti dans les regards, dans les façons aussi des gens après de venir le voir et de lui parler. Personne ne l'a violenté, hein, que les choses soient claires, il s'en est sorti. Alors, ça, je ne veux pas en parler plus que ça, parce que là, je vais vraiment abuser de votre temps, mais c'était vachement intéressant aussi. Je sais pas, non, si, je sais pas, est-ce que j'ai 3 minutes, hein? Oui, je les prends? Allez, je vous parle de ça. La découverte du boson de Higgs. Alors, la découverte le boson de Higgs, donc, c'est une particule dont on soupçonnait depuis longtemps l'existence, et de manière théorique, on connaissait sa masse, on savait comment la détecter, on savait qu'en envoyant une particule sur une autre avec une certaine énergie, on allait probablement la produire, cette particule. Bon. Et du coup, l'accélérateur et collisionneur LHC, qui se situe au CERN aussi, a eu pour une de ses missions, c'était justement de créer les conditions qui permettaient la formation de ce boson de Higgs. Et comment est-ce qu'en pratique ça se traduit ça? J'ai fait un graphe qui est assez indicatif, mais ici ça serait l'énergie des particules sur l'axe horizontal, et là ça serait le nombre de particules qui sont créées avec cette énergie-là. En gros, ici ça veut dire qu'il y a à peu près autant, un tout petit peu plus de particules de basse énergie que de particules de haute énergie. Voilà, il y aurait une sorte de pic ici. Et le point hyper important de cette figure, dont on parle assez peu quand on parle de découverte et de science, mais qui est crucial, c'est ça. Ça s'appelle des barres d'erreur. C'est-à-dire, quand on fait une mesure, vous êtes incapable de dire, voilà, la mesure, je trouve tant avec 26 chiffres après la virgule. C'est juste pas possible en général. Si vous voulez mesurer la longueur de la. Du pupitre qui est ici, vous allez pouvoir le faire peut-être au millimètre, centième de centimètre, si vous avez un vernier suffisamment précis, vous n'irez pas au nanomètre. Hein. Et si vous dites que vous êtes capable de mesurer la taille du pupitre à 1 millième de nanomètre, personne ne vous croira, et de toute façon, ça n'a même pas de sens à cette échelle-là. Bref, il y a des barres d'erreur. Ces barres d'erreur peuvent être dues à plusieurs choses. Quand on étudie un phénomène de nature statistique, cette barre d'erreur, elle est en partie diminuée au fur et à mesure qu'on accumule des données. C'est-à-dire qu'en moyenne, si votre mesure elle est un peu trop forte un coup, elle risque d'être un peu trop faible le coup suivant. Et ça, en moyenne, ça se compense. Et là, je vous le dis d'une manière très avec le langage de tous les jours, mais je vous assure que derrière, il y a une description mathématique, statistique de ça extrêmement précise et rigoureuse. Et si on augmente donc le nombre de mesures, effectivement, ces barres d'erreur diminuent. Là, que nous disent les barres d'erreur qui sont là? Ben, ça veut dire que, en fait, on n'apprend pas de grand-chose. Si on avait juste ces points de données-là, je vais prendre une hypothèse qui est, eh ben voilà, il y a autant de points qui sont à la même hauteur, celle du point du trait vert qui est ici là. Voilà. Moi j'ai une théorie qui me dit, ben voilà, il devrait y avoir un truc plat, je devrais observer un truc plat. Vous voyez que toutes les mesures qui sont ici sont compatibles avec ça. Elle a l'air d'être un peu haute, elle aussi, mais vous voyez que sa barre d'erreur est mort dessus. Donc c'est simplement peut-être qu'on n'a pas eu de chance, qu'effectivement la vraie valeur est ici. Si on accumule des données, on continue d'accumuler. Les barres d'erreur diminuent, vous voyez que les valeurs changent aussi, hein, parce que la moyenne change, voilà, bref. Et au bout d'un moment, on peut arriver à ça. Et là, vous voyez que certes, ça, c'est compatible avec mon hypothèse du truc plat, ça aussi, ça, à peu près. Là, pas du tout. Là, on peut dire, statistiquement, on est sûr qu'il y a une bosse. Alors, on est sûr. Plus précisément, les physiciens, enfin, les statisticiens introduisent la notion d'écart-type. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais juste je vous donne un mot de vocabulaire qui est. Le sigma, c'est une unité d'écart-type. Et quand effectivement les barres d'erreur ici deviennent suffisamment petites, on sait que on a une chance sur environ 2 millions qu'un signal donné soit dû au hasard. Et ici, donc ça veut dire que quand on observe ici avec des barres d'erreur qui sont très petites, plus les barres d'erreur diminuent, plus on a de chances qu'effectivement cette bosse ne soit pas une fluctuation statistique et on n'a vraiment pas eu de bol à ce moment-là, le truc il était trop haut, c'est un signal. Donc il y a des moyens statistiques de vérifier ça, et la découverte du boson de Higgs, c'est une courbe de ce type-là.
Effectivement, quelque chose qui au début était avec beaucoup de barres d'erreur, il a fallu accumuler des données, attendre, pof, à un moment l'accélérateur ferme parce que c'est l'hiver et Genève a besoin d'électricité pour chauffer, donc on attend, paf, ça rouvre au printemps, tac, on reprend des données, ça diminue les barres d'erreur et au bout d'un moment, paf, on passe la barre d'erreur fatidique fixée à l'avance par les physiciens des particules qui nous disent voilà, là maintenant, ça je l'appelle une découverte. Et le mot découverte, il a vraiment un sens statistique extrêmement précis pour les physiciens des particules. Alors du coup, vous voyez que l'émotion ici, elle est probablement diluée un petit peu aussi. Hein. Entre ça et puis 4-5 ans plus tard, ça, on a eu le temps de se faire à l'idée qu'il allait se passer quelque chose. L'émotion d'ailleurs, elle peut être un peu mélangée, hein, c'est-à-dire que probablement des gens ici se sont emballés assez vite, peut-être là, ils commencent à s'emballer. Mais ça se trouve, ça aurait pu être ici dû au hasard, et puis en accumulant les données, ce point-là se retrouve ici. Donc il y a des gens qui se sont effectivement emballés très tôt, qui ont commencé à ressentir une émotion forte dès là, et d'autres qui ont probablement attendu beaucoup plus. Quoi. Ok, alors je vais m'arrêter ici, hein, donc ça vous a peut-être semblé un peu décousu. C'est le but, c'est-à-dire que cette notion de catégorie et d'analogie dont j'ai parlé au milieu de la conférence, là, c'était pas non plus par hasard. J'ai voulu donner des petites touches et essayer d'augmenter le périmètre de la catégorie découverte, avec, en tout cas en essayant d'y mettre de ce que moi j'en comprends et j'en connais. Alors, si vous voulez ressentir l'émotion de la découverte quand même, j'ai parlé tout à l'heure d'empathie, il y a des moyens très, très simples de le faire. Hein. L'émotion de la découverte, on l'a tous en fait. Hein. L'émotion de la découverte, c'est comprendre, apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc, le simple fait d'apprendre, c'est l'émotion de la découverte. C'est la même, c'est une émotion qui est une nature assez similaire à celle de ce que ressent le chercheur quand il découvre quelque chose. Il y a l'aspect en moins que ce n'est pas vous qui l'avez inventé, mais l'aspect de se dire « waouh, il y a quelque chose dans ma tête qui a changé avant, je ne comprenais pas, maintenant je comprends, et je ne reviendrai pas en arrière, cette boîte de Pandore-là, vous ne la refermerez pas », c'est quelque chose de puissant, vous l'avez tous ressenti ça. Et on a des outils extrêmement précieux et forts pour ça. Vous pourrez remplacer la mallette ici par exemple, un ordinateur et Internet. Voilà, vous l'ouvrez, waouh, si vous en servez bien, vous arriverez à ça. Mais j'ai mieux que ça en fait. Un objet magique, vraiment. Le livre, vous ouvrez un livre qui fait 300 pages et qui vous parle d'un sujet un peu pointu. Le gars ou la fille a consacré 300 pages à vous parler de, par exemple, comment est-ce que la notion de mythe se décline pour décrire la vision occidentale du scientifique. 300 pages. Je vous assure que vous trouverez là-dedans de quoi ressentir l'émotion de la découverte à de nombreuses reprises et pendant plusieurs semaines. Donc bonne lecture à tous, merci pour votre attention et je vous remercie. Je reste un petit peu ici, si jamais vous avez des questions, je peux y répondre. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie encore pour être venu assister à cette conférence. Merci.